Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube et j'en suis désolé, mais ne vous en faites pas, je suis de retour. De mon côté, les vacances m'ont fait le plus grand bien, donc j'espère que vous aussi vous en avez bien profité. Et vous vous en doutez, après tant d'absence, j'ai beaucoup d'annonces à vous faire. Elles vont, je pense, toutes vous intéresser et vous régaler, donc soyez bien attentifs. Premièrement, Pandora, mon serveur, après plus de 2 mois de maintenance, réouvre ses portes ce soir, c'est-à-dire ce samedi 18 septembre à 20h30, avec énormément de nouveautés, dont notamment le The Promise Neverland UHC qui fait son apparition sur le serveur, mais vous pourrez également retrouver Wano UHC avec des mises à jour, notamment un nouveau rôle et quelques nouveautés, et surtout My Hero Academia UHC. C'est clairement sur son mode de jeu que les plus gros changements ont été réalisés, et vous allez pouvoir découvrir de nouvelles mécaniques et de nouveaux rôles dès ce soir. D'ailleurs, je vous invite à venir découvrir tout ça en stream sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. Je suis actuellement en stream au moment où je vous parle, donc si vous voulez venir faire un petit coucou, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, et je compte sur vous pour être là à 21h sans faute. J'en profite également pour vous rappeler que le mode de jeu Assassination Classroom UHC arrivera très bientôt sur Pandora, tout comme la saison 2 de Time Out UHC, enfin me diriez-vous. Et surtout l'arrivée d'un mini-jeu début octobre tiré d'un animé qui a d'ailleurs un certain lien avec le sujet de la vidéo, Demon Slayer. Pour en savoir plus, je vous invite à rejoindre le Discord du serveur qui est également en description. Avant de passer à la game de Demon Slayer UHC, je tiens à vous annoncer également sur YouTube que j'ai rejoint tout récemment la Glory for Builder. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout une structure e-sport qui s'était fait connaître sur Fortnite et qui maintenant se développe sur plusieurs jeux jusqu'à arriver sur Minecraft. Mais attention, je mets tout de suite les choses au clair, je ne rejoins pas la structure en tant que compétiteur sur Minecraft parce que vous le savez très bien, pour ceux qui sont un minimum renseignés, c'est impossible de faire de la réelle compétition sur Minecraft pour plusieurs raisons, et puis dans mon cas, vous le savez, je n'ai pas du tout le niveau. Je rejoins donc la Glory for Builder en tant que créateur de contenu Minecraft, ce qui signifie concrètement qu'à partir de maintenant, je représente la Glory for Builder sur Minecraft. Par conséquent, vous allez voir à partir de maintenant plusieurs collaborations avec ou grâce à eux sur tous mes réseaux, de YouTube à Twitch, en passant par Instagram et TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à le faire, du très très lourd arrive. Les liens sont en description. Je vous invite également à rejoindre la Glory for Builder sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à rejoindre leur Discord, afin de vous tenir au courant de toutes les dingueries et événements qui vont arriver. Les liens sont également en description. Sur ce, passons enfin au sujet de la vidéo, Demon Slayer UHC. Même si maintenant vous avez l'habitude d'en voir sur YouTube, je vais rappeler les bases du mode de jeu, d'autant plus que pour la première fois sur ma chaîne, nous allons jouer à une toute nouvelle version du mode de jeu, Demon Slayer UHC V3. Les bases, vous les connaissez, à la manière de Loup-Garou UHC, deux grands camps principaux s'affrontent. D'un côté, les gentils, nommés les Slayers, et de l'autre, les méchants, nommés les démons. Dans les deux camps, vous pourrez retrouver vos personnages préférés, comme Zenitsu, Tanjiro, Nezuko, ou encore Muzan et Akaza. J'ai nommé Akaza, car pour ceux qui ont la référence, une des grandes particularités et nouveautés de cette nouvelle version est le train de l'infini. Comme le château de Nakime dans la deuxième version, le train de l'infini est une nouvelle structure faisant référence au film qui va engendrer de nombreuses mécaniques et de nouveaux rôles, comme notamment Enmu qui est le démon propriétaire du train de l'infini. Du coup, pour faire référence à l'anime, afin de complètement tuer Enmu, il va falloir rentrer dans le train de l'infini, traverser la dizaine de wagons gigantesques présents, pour au final arriver dans le tout premier wagon et détruire le cœur d'Enmu. Évidemment, le train sera gorgé de démons, en plus de ça, Enmu pourra respawn à l'infini tant que son cœur ne sera pas détruit. Et pour couronner le tout, toutes les 30 secondes environ, nous perdons un slot de cœur permanent que l'on pourra récupérer en sortant du train. Évidemment, ce sont des effets négatifs s'appliquant uniquement aux Slayers, et vous l'aurez donc sûrement compris, c'est dans ce camp que nous allons être aujourd'hui. Et nous avons la chance d'incarner un de mes personnages préférés du manga, à savoir le pilier de l'eau, Tomioka. Tomioka était déjà présent dans la précédente version, donc vous le connaissez peut-être. Tomioka possède le souffle de l'eau. À ce titre, j'ai une grande vitesse et une très bonne agilité. Par conséquent, durant toute la game, j'obtiendrai vitesse 1 ainsi qu'un livre agilité aquatique 3. Aussi, étant le mentor de Tanjiro et un ami très proche de Sabito, je pourrai voir dès leur mort le pseudo du tueur. A partir de là, si je parviens à éliminer l'assassin de Sabito, j'obtiendrai l'effet force 1 la nuit. Et si jamais Tanjiro vient aussi à être éliminé et que j'arrive à tuer son assassin, j'obtiendrai force le jour. Vous l'aurez compris, en fonction de différentes situations dans la partie, je pourrai obtenir des informations importantes, tout en sachant que Sabito me connaît dès l'annonce des rôles, qui lui-même connu par Urokodaki d'une certaine manière. Ce qui veut dire qu'assez rapidement dans la partie, nous devrions former un trio. Une fois ce trio formé, nous pourrons passer à la vitesse supérieure. Vous connaissez donc mon objectif principal, trouver très rapidement Sabito et Urokodaki. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Yo, Pegafil, t'as fait une petite lame, non? C'est possible, ouais, effectivement. Bon. Est-ce que je décide de faire bouger un petit peu la game, là? Tu veux faire bouger la game? Bien, frère.
J'ai peut-être peut-être des infos là. Ah ouais? Ouais. Déjà? Ouais. Vas-y. Frérot, par contre, il y a eu un petit souci, non? C'est-à-dire? Je dirais que en fait, frérot, t'as fait une erreur là. Tes chaussures, ouais. elles sont sales. Hein, ouais, c'est possible. En fait, le problème, c'est que j'ai fait un casque au lieu des bottes et je m'en veux, quoi. Ouais. Mais bon. Ouais. Salut, Way. What the fuck? Way. Bro, est-ce que t'as pas des infos par hasard sur la mort de notre ami Zordoff? C'est pas grave, j'ai récupéré un peu en haut et quand on fera des kills, on aura des levels. Ah, vraiment, j'en ai en plus, quoi. C'est notre mate en plus, donc. C'est vrai? Par contre, fais gaffe, frère. Faut que je te prévienne d'un truc, t'es un fou un peu. Ah ouais? T'as pris piu-piu dans ta game. Frérot? J'ai besoin de te parler, moi. Ok, attends, bah, moi je vais écouter la conversation, moi, les refs. Non, juste Winner. Non, ouais, les gars, mais bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il y a un petit problème, c'est que notre ami Pegafil ici présent a des petits soucis au niveau de ses chaussures. Attends, mais il te manque combien de diams? Tiens, je t'en passe un, je sais pas si ça peut t'aider. Au pire, non, ça va être très simple. Pegafil, on va faire un échange, ok? Ouais. Et avec mes levels, je vais enchanter bot. C'est qui le... C'est toi, Winner, du coup? Les gars, je sais qui est au banai. Attends, on fait comment? Ah ouais? Ouais, bah prends... tu me files tes bottes en fer, du coup. Ah ouais, ok. Voilà. Bon, merci. En dessous, il descend en dessous des arbres, il retire son armure, ouais. Il passe invisible. C'est... Qui ça? Attends, je le retrouve. C'est L... Y'a pas d'autre L. Y'a pas de L, attends, je vais retrouver. Je vais retrouver. Bah, y'a le Luvox. Exé, je pense. Trivix Exé. Ah non, c'est pas. T'es sûr? Attends, si on est pas sûr, l'info, c'est compliqué. Hein. Du coup, t'as pas d'autres infos, Fraser, en vrai? Pour l'instant, non. Y'a juste. Tu peux avoir autre chose? J'aurai des infos plus tard, mais pour l'instant, je peux pas, quoi. Bien, récapitulons nos informations. Tout d'abord, nous avons rapidement réussi à former notre fameux trio, constitué ici de Wainer, qui incarne Sabito, et Freizen, qui incarne Urukodaki. Entre temps, Wei, qui a écouté notre première conversation, avoue avoir tué le Rui un peu plus tôt dans la partie, avec comme excuse qu'il l'a vu poser des fils, ce qui est potentiellement plausible. Il est donc très peu probable qu'il soit démon, cependant, il peut toujours être solo, ou alors bel et bien faire partie des Slayers. Il va donc falloir garder inévitablement un œil sur lui, tout comme potentiellement Trivix Exe qui serait l'Urbanite de la partie, et donc pour le coup un mate. Cependant attention, car un démon peut se rendre invisible également. Avec toutes ces infos récoltées assez tôt dans la partie, nous avons pris la décision avec Wainer et Freizen de nous séparer, afin de tripler nos chances d'avoir de nouvelles informations. Et une fois que nous aurons une ou plusieurs informations sur des démons, il faudra alors se retrouver pour passer à l'attaque. Et vous allez voir que notre stratégie va très rapidement payer. J'ai peut-être des infos, moi, du coup, encore. Ah ouais? Régalement. Ouais, peut-être. Apparemment, il y a fan de Max Trier qui est méchant. Ouais. Et a priori, Wild Darling serait gentil. A priori. Ouais, j'ai des safe, John Jax. Ok. T'as un bon rôle, est-ce que je vois? Ça va. Comment tu peux voir ça, frérot? J'avoue, voilà, comment tu peux voir ça? Non, parce que regarde, t'avais speed et je pense que t'as une lame. T'avais pas vraiment une speed 2. Après, il a peut-être l'âme de speed. Je pense pas, moi. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il a speed et l'âme de speed. Ah, speed et l'âme de speed, carrément. Vous avez confiance, les gars? Ouais. Pas des infos dans la game. Moi, je peux te dire que, Pega, si tu parais safe, mon pote, pour une fois, on va être dans le même camp. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens pas du tout, Chen Jax. Je te sens pas du tout safe, frère. Ouais, frère, pas du tout. Chen Jax, ouais, c'est un petit peu. Ouais, je sais pas. Tu verras. Mon frère, il parlait avec qui? Non, il parlait tout seul. Bah, il parlait Discord d'un mec, je pense. Et il a dit quoi? Piu-piu, il a dit quoi? Je sais exactement son rôle, mais je vais pas le dire complètement. Mais genre, c'est un démon. C'est un démon aussi, Yorichi. Regardez le sneak des sneaks, les gars. Voilà. Ok, je suis en joueur rush, frérot, regarde. Ah merde! Alors. Ah quoi? Il a des cuits. C'est quoi? Clipper ça. Non mais les gars, les gars, il a juste fait des frais de rank-up, c'est tout. Tu veux pas faire un groupe avec les gens quand c'est safe, Pegafi? Bah vas-y, fonce hein. Faut juste trouver les frérots là. On a pas d'infos sur troll, Darling? Tu sais où est Frazen ou pas? Non mais. Ouais. Il est là, il est derrière toi. Ok, faudrait que. Ouais, enfin. Genjax, tu l'as appelé. Ouais, Pega. Non, j'ai juste. J'ai confiance à Genjax. Attends, fan, viens voir. Fan, viens voir. Genjax, non, j'ai dit juste qu'il pouvait venir. T'as vu, il peut. Attends. Aïe.
Putain, par contre, j'ai pris des cœurs de dégâts chutes, les gars, j'ai plus de regards. Hein. Bon, en fait. Genre, ouais. On va tous ceux ici. Oh non. Ah. Merci. Oh, il a perdu. Ouais, bah t'as Pierre-Pierre le bon. Mais Wayner, je voulais lui parler et qu'il nous donne des infos sur les sur ses mates. Mais bien sûr que si, on aurait eu des infos de mates. Aïe aïe. En vrai, Pekafil, j'aurais donné ma lune. Mais oui, mais c'est sûr. J'allais dire, on est tous ensemble là. T'as attaqué trop vite. Ça serait passé. Mais bien sûr que ça serait passé, évidemment. Donc, il aurait donné sa lune. Ouais, mais en vrai, ça, on sait pas qu'il ait donné l'info. Mais bien sûr que si. Ah, c'est pas. Je suis vraiment sorti du principe. C'est toi, Pega. De quoi? T'as eu les gapons? Ah non, moi j'ai rien. Le casque. Bah attends, passe le micro, attends. Ouais, en vrai, je pensais pas que c'était aussi con. Ah merde, j'ai déjà le casque. Mais allez-vous les bottes? Wayner? Oui. Non, mais je vois, Wayner. Attends quoi? Oui. Wayner, est-ce que c'est pas. Je suis mort! Frère, attends, il se passe quoi là? Attends, mais. Fais gaffe, dans cette version, il est peut-être méchant, c'est peut-être à tes goûts. Qu'est-ce qui se passe? Juste, je vais bien, mort sa juste, merde. Juste, j'ai pas les bottes. Non, je n'ai rien vu. Mais je vous personne déteste, les bottes. Les bottes, ils sont au scabard, votre frérot. Ah non, mais je les ai mis. T'as mis un coup d'épée quand t'étais invisible, toi. T'as pas un diamant? Je suis resté avec vous. Oh, Zayden. Non, mais... En vrai, on peut trouver notre bro, voir s'il a d'autres infos et... C'est quoi, j'ai même pas capté comment tu pourrais connaître mon rôle, mais ouais. Très bien, d'accord. Je pouvais pas laisser passer cette info là. C'est un piège. Alors, Askip, dans le groupe, donc Panda Fight sur SSA. Parce que, en vrai, ici, tout le monde connaît mon rôle. Genre, vers 1h30, je peux essayer de chercher des gens qui se tapent. Des infos, Para? Bah, d'après eux, entre eux, ils savent. Donc, c'est pas vraiment des infos. Par contre, ça serait bien que ça joue le démon, quoi. C'est chiant. Panda, Frazen, frérot. Panda Frazen, et il y en avait d'autres aussi, mais j'ai oublié. Ok. C'était vachement genre en mode, ouais, on save parce que machin, mais c'est pas. Ah, bah parfait, moi ça me va. Ça me suffit. C'est pas le truc du train, ça? Si, non, c'est à 1h15. Si, ah, c'est à 1h15. Allez, go, les gars, on rentre dedans. On les tabasse. On les tabasse. Les gars, on va vite. Regarde qui est là, c'est Wodla. C'est le train. Les gars, vous êtes prêts, on porte nos balles. 3, 2, 1, go. Go. Allez. Ah, les gars, faut quand même perdre des cœurs. Ah, ouais, les gars, ça dépêche. Ah, ouais, moi je connais pas, on perd des cœurs. Ouais, tu perds des cœurs. Ah, oui, au bout de X minutes, maintenant. Toutes les minutes, tu perds un cœur. Là, on va tuer le cœur là. Ouais. 100%, ok les gars, on fonce. Il y a vraiment, écoute, il y a vraiment Enmu qui a mis de l'obsidie devant, c'est bon. S'en fout. En gros, je t'explique si tu veux, vu que tu connais pas, il y a vraiment la pioche, un rôle qui peut respawn à l'infini dans le train si tu pètes pas le truc qui est tout au fond, voilà. Okay. Qui a force speed résistance. Donc techniquement, dedans. Il garde le cœur, techniquement. Para, ça va, quoi. Oh, ça dénie, frère. De quoi? Bah, j'avance, tout. Non, bro, tu sais quoi, je vais te rejoindre dans pas longtemps, mais laisse-moi. Non, mais les cœurs ne régènent pas, mais tu récupères. Ah ouais. Les cœurs, c'est simple, normalement, on doit être dans les premiers, ça doit pas faire longtemps qu'il est là. Si on croise des mecs dans les wagons, faut les fumer instant. Hein. Ah oui, parce qu'on a 1h15, c'est vrai, les gars, bon, on est les premiers. On a combien de blocs à faire là? 1000. 1000 blocs. En vrai de vrai, 1000, ouais. Non, ok, c'est bon, on voit le bout du ciel. Oh, y'a de l'opsy comme c'est bizarre. Ouais, bon, on peut passer à côté. J'ai pas de pioche par contre, j'ai vraiment j'en ai une aussi. Ils doivent être là, en fait, gaffe. Ouais, c'est normal. Les gars, ouais, on se fait des coups de rendez-vous. Ah oui. Parce qu'on va être re-TP à la 300. Ok, vas-y. C'est un peu loin, mais ouais. Parce que je pense qu'ils nous ont entendu aussi, tout le monde dedans. Y'a vraiment personne? Y'a personne. Go péter le cœur. Bah, go, hein. Mais si, y'a forcément du monde, hein, par contre. Faites gaffe. Restez ensemble. Cœur. Il est dedans. Il est là. Vas-y. Bah, il sait pas jouer de mieux. Incroyable, les gars. 300, ça part. Yo les bros. Ouais. Par contre, juste les gars, j'ai croisé Nezuko à 500 blocs. Non, mais il est pas re-TP lui. Il est pas re-TP. Lui, il reste ouais, à sa ouais, position, mais... Je sais pas si... Ouais, mais c'est bizarre quand même. Tu restes pas. Y'a Saiko. Ah bah, on sait... Bah, go le sauter, les gars, on sait qu'il est méchant. What? J'ai fait quoi? Bah, on sait que t'es méchant, en fait. Bah, comment? Bah, en fait, tu restes avec Odla et on sait qu'Odla est méchant. Non, mais je traîne avec personne. Hein? Par contre, le comment, par contre. Ouais, t'étais pas très. C'est pas non, très moi j'ai envie, moi j'ai envie, bro. Le comment était bizarre, hein. Psycho? Winner? Ouais, bro. Oh, on peut parler ou pas? Vous avez des infos ou pas, les gars, là? Est-ce que vous avez des infos ou pas? Oui, mais t'es sûrement sa bite. En fait, en gros, on a Sterben qui est méchant. Pour go faire les gars. Ah ouais? Ah, ouais, ceci explique cela. Mais les riz, tout ça, tu m'as coupé mes cheveux. Et puis entre Nebulus et Tatsuma, il y a aussi un démon. Ok, très bien.
Mais attends, mais c'est là? C'était pas là? C'était pas avec eux? Non, non, c'est... Non, non, c'est pas avec eux, c'était pas avec eux. Ok. Quoi? Crack est sûrement safe. Ok. Je pense qu'il était engain, voilà. Okay. Venez, venez, on taille un peu sur le côté, là. Attendez, attendez, attendez. Ah, après, en vrai... Y'a qui? Attendez, mon groupe. Au rapport, les gars. On va faire un virage sur la gauche là-bas. Ok, c'est parti. Ok. Très bien, très bien, très bien. Parce que Skycy du coup, tu faisais une confiance dans Nakimé et demandait qui était Nakimé. Et Nadox décliquait dans son chat et s'est fait TP dans la rue. Très bien, très bien, très bien. On est ensemble, les gars. Ouais, on est ensemble. Est-ce que t'as vu des dingueries? Non, Pégafil, non, vraiment, c'est pas cool, Pégafil. Si, un mec, dis-nous tout. Bah, je me sens, je suis beau et tout, mais on se parle. Wesh, elle est où? Mais si elle a la dash? Attends, si elle a la dash, c'est pas ça. À la dash, à la dash. Mais Alan, regarde, les infos en carton là. Putain. C'est quoi cette merde? Les gars, moi les démons que je vais donner c'est 100%. Mais les gars, vous pouvez des démons? Ah putain, il était safe. Ouais, lui c'était 50-50. Quel rôle je lâche en fait? Mais je comprends pas, c'est qui a sorti cette info de Sterben là? On a Sterben qui est méchant. Mais c'était Persiscas hein? Bah attends, mais Sterben, t'as confiance en Bloodfire ou pas? Et Pandacian? Non, mais en fait, c'est mon rôle. Mais il y a un problème. Il s'est passé pour un depuis le début, mais ça marche pas quoi. Ouais, je sais, c'est ça. Quoi? À gauche, fondation, il a. La nuit, il avait speed. Les gars, les gars, notre groupe. Oh, les gars, devant. Notre groupe. Bon, les gars, faut qu'on. Les gars, venez. Les gars, pas tout le monde. Ah bah oui. Tous les démons de Muzan qui touchaient bon, Nakimé et tout. Ça, j'aime bien quand tu me dis ça. Natox, je suis TV quand même, quand tu as fait te faire péter. Mec, j'aime quand tu me parles comme ça. Y'a un Tengu derrière, y'a un Tengu derrière. Faites bien. Derrière toi, y'a un Tengu. Il est où un Tengu? Non, mais attends, on continue. Je pense faut focus cet intact parce que si il meurt, il est dans la merde. Arrête, les gars. C'est l'épo, je crois, Luvolt, non? Non, pas Skycy. Non, oui, Skycy, oui, pardon. C'est Skycy, c'est. Oui, oui. Tous les jours. T'as tous les jours, frère. Tous les jours. Faut vraiment continuer. Ouais, Natox, ça coque que je suis beau sur la mise à l'heure. Winner. Oh là 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 là. Oh, je suis mort! Ah, le plus gros train de l'univers! Okay. Oh, c'est Muzan ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Je peux même pas le taper. Prends tarif, il meurt pas. Ouais, bien joué, les gars. GG. GG, les mecs. Oh? Quoi? Allo? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sanili. Attends, toi t'avais dit que c'était qui était méchant? Ceux qui sont morts. Ouais, et Sterben elle est méchante aussi ou pas? On pense, mais on n'est pas sûr. Attends, il y a un autre mec. Je te le dis, elle est pas méchante. Et genre, okay. Tes infos sont bizarres et j'avais envie de te sauter. Ah, c'est moi. Allez-y, hein, tuez-moi. Ouais, c'est vrai. Mais ça sert à rien, t'as vu l'état des démons? On peut rien faire. Parce qu'on l'a cramé depuis le début. Non, mais les démons ne savent pas jouer, je sais pas. Hein. Mais Scorpius est méchant. Ouais, Scorpius est méchant, pardon, excuse-moi. Attends, je le savais en plus. Mais j'ai tué l'ennemi, je suis pas méchant pour dire ça. T'as pas tué l'ennemi? Mais si! Mais si, tu as tué l'ennemi. C'est choqué, le dernier, c'est lui! Mais. Tous mais pourquoi? Attends, pourquoi tu me dis que t'es méchant? J'ai peur du groupe de Persiska. Pega. Ouais. Pega, on est prêt avec les yeux pour nous. Ouais. Qui ça? Qui est méchant? Qui est méchant? Parle! Il a perdu, il a perdu! Il méchant! Avec qui? Il vient de m'attaquer dans le dos. Oui, non, mais il va pas attaquer tout seul! Si, si, j'étais. Crois-moi, il. Si, si. Il y a forcément un méchant ici, hein! Forcément! Non, non, non! Mais si, non, il va pas attaquer tout seul! Non, je peux pas t'expliquer pourquoi, Pega, mais il peut. D'accord. Là-bas! Il t'a parlé, non? Non, il est là, hein, je l'ai vu, les gars, venez. Hein. Ah, il est là. Ah, mais il est du coup, il est là, allô. Ouais, il doit être un des rôles qui revive. Il est revive, ouais. Mais oui, voilà, ouais. Il est revive. C'est pour ça qu'il t'a attaqué. Mais oui. Ok. Ok.
Non mais par contre, vrai truc, faut qu'on fasse un groupe. Pégase, t'as envie de venir avec nous, tu peux. Bah moi j'ai un méchant là, de sûr là. Ouais, faites gaffe à Genjax. Genjax ? Ok. Ouais. Vous l'aviez que Bloodfire était méchant ? Non, je m'en vous le dis de sûr. Si, 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 ils l'ont dit tout à l'heure. Non mais je vous le dis de sûr là. Du coup, vu que Sterben était safe, c'était Sterben ou... C'était Sterben ou Bloodfire en fait. Pas tout le monde. Merde, les démons, je t'en passe. Vas-y, bah go hein. Ils sont tous là ? Vas-y, on se la donne les gars. Ok, gauche il est stupide. Ah ouais. Ouais, je suis stupide, Ok, gauche solo, ok. On est 5 gauche. Gauche, écarte-toi du fight, s'il te plaît. Gauche, écarte-toi, s'il te plaît. Bah, gauche, c'est stupide. Y'a un solo qui peut gagner avec les gars. Si je peux tuer Bloodfire, ça m'arrangerait, les gars. Ah, moi ça m'arrangerait pas. Vas-y, on y va. Attends, deux secondes. On focus. Moi je focus celui que j'ai dit, les gars. Bloodshare, non mais me tue pas, ça sert à rien, clic gauche. Stop, je suis pas solo, mec, je suis pas solo. Mais clic gauche, il est pas avec nous. Clic gauche, il n'est pas avec nous. Si, je suis avec nous. Clic gauche, écarte solo. Si, il vient de le mettre. Si, clic gauche avec nous. Clic gauche avec nous, c'est Shinobu. Non, okay. Non. C'est moi qui lui pose en regard. Ah, c'est toi. T'as Scorpio, ce qu'il y a. Il va aller sur moi, t'inquiète. Ça va, Bloodshare. Ah, Scorpio, c'est le Gyotaro, je pense. Ouais, c'est Gyotaro avec Tatsuma. C'est pour ça, le saint le tuer. Ouais, super, d'accord. Ah, On retourne, hein. Vous êtes vraiment des craques. Oh là là. Merci infiniment. On attend Pega et on y va. Oh, y'a Tatsuma! C'est n'importe quoi, merci beaucoup. Attendez, y'a Tatsuma. Pega, dépêche-toi! Je suis là, les gars, je suis là. J'entends rien, mais je suis là, les gars. C'est tout pour moi, je vous laisse fight, les mecs, sans moi. Vas-y. Les gars, viens. Winner, viens. Shoot toi. Y'a un attaque derrière. Il faut qu'on te fume un attaque, c'est la cible numéro 1. Para va mourir. Para va mourir, c'est pas grave, c'était un sacrifice pour la... Oh, il a pris des dégâts de chute. Non. C'est la même. Ouais. Fais gaffe, c'est Kokushibo. T'inquiète, il est mort. Il est mort? Bah ouais, il est mort. Ah, mais c'est pas Kokushibo. Ah. Voilà. J'ai les gars, c'était lui. Dégâts. Ok, bah pourquoi on a fait son shot? Possible. Oh là là. C'est sûr qu'il était safe. Les gars, la game est pas si win que ça, hein. Attends. Allez, bien joué. Ah, Genjax solo, je suis mort sa mère. Oh yo, oui, bon. Bon, allez, on est là. On va finir. Ah oui, non mais... Quoi ? Mais j'avais un cœur. Oh, bien vu ça, Frieza. Et quel teamplay. Oh, les gouttes de sueur. Genjax c'est solo, les gars, il a dit, hein. De quoi ? Genjax c'est solo, et il a dit... Je suis plus solo. J'ai tué le Kyojiro. Qu'est-ce qu'il y a dans la ring ? Oui. J'ai tué le Kyojiro, Pega. Oui, bro. Frozen, dis-moi que t'es Rokodaki. Bah, j'ai tué le Kyojiro. Il m'a encore insulté, mais je l'ai backstab. Oui, vraiment Yorichi, je l'avais call. Oui, il est retiré. Mais en fait, Genjax, le problème c'est que je connais peu de monde qui choisit de passer Slayer. Mais gros, t'as vu le monde de Kyojiro ? Oh là, bah ouais, paradoxal. Non ! Le Hunter est mort. Il reste Natox. Devant, j'ai eu un pseudo. Ouais. En dessous là. Natox, Tatsuma. Y'a des blocs, je sais pas si c'est. Oh non! Ah ouais! Ah, j'ai entendu aussi. C'est qui? C'est ici. Ouais, dessous. Oh bah les deux. Tatsuma, ils attaquent! Faites gaffe. Mais moi j'y vais pas, hein. Fais gaffe, hein. Ouais, mais ils ont le droit de faire ça là? Évitez de trop dig down. Allo les gars, vous foutez quoi là? Ouais. Dig down un peu, mais pas quand remontez. Ouais, remonte. Le dig down, on est. Joue, mais juste pas dig down tout bas. Go, go. De toute façon, il va respawn, les gars. On peut rien faire. Ouais. Hein. Y'a son mec qui est resté en dessous, go. Hein. Son mate est resté en dessous. Attends, mais c'est le Gyotaro. Il est là. Oui, ah, c'est le Gyotaro. C'est Daki Gyotaro. Faut le tuer. Si on le fume, ça peut. C'est quasiment win quoi.
Je comprends pas, ouais, ce qu'il avait par contre, il était Yorichi, mais il a pas joué. Merde. Oh la fiche. Putain, mais de temps en temps, j'ai ma speed qui s'en va, gros, c'est chiant. Hein. Ouais, c'est les bugs de speed, hein. GG. GG. Point cap. J'en ai 10. Mais c'est pas fini? Non. Bah, il reste, hein. Il reste. Non, il reste encore Furuto. Bah, c'est Persiscas. Ouais, ne dis pas, c'est Persiscas depuis le début qui nous baise. Oui, Yorichi. Oui, Yorichi. Alors, mon frère. Mais les refs. Ouais, mais t'es Furuto. Mais gros. Mais mon ref, devine comment je le sais. Oui, bon. Mais putain, mais vous êtes un. Et c'est qui sinon, les gars? C'est Matuga? C'est qui? Mais non, mais les refs, je suis 100% un rôle et vous le savez, et je peux pas me fight. Hein? Réfléchissez. Ah, il est Kaguya? Mais ah, oui. Les gars, attends, qui est Furuto? C'est Darling? C'est qui? Mais non, ça peut pas être Darling, il a fight tout à l'heure. Non, Darling, il est Zenitsu. Mais c'est Matuga, c'est Matuga. C'est Matuga? Mais oui, depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui essaie de me fumer tous les démons. Mais je suis mort, mec. J'ai 3 cœurs, une cape. Mais c'est Darling. Non, il est safe, Mais c'est mort. Voilà, GG les gars. GG. Bah, désolé, Mathieu. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Même si elle a été un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, déjà un grand merci à vous, sincèrement. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag trio. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi. On se retrouve dès ce soir sur Pandora à 21h. Et la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. C'était Pegafil, à très bientôt, ciao ciao.